Content que nous en sommes matin, nous bénis nos seigneurs, nous disons bon Dieu merci pour le privilège ça et son grâce, mes bien-aimés. Alors que nous sommes capables de lever bien vivant pour nous venir chercher face, bon Dieu, et pour nous capables de manger ensemble le pain de vie, nourriture que le Seigneur préparait pour nous amener, afin que nous sommes capables de vivre en bonne santé spirituelle. Là, nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci, Seigneur. On a invité à l'ouvrir Bible, mes bien-aimés. Avec moi, il y a Deutéronome, chapitre 2, les versets 24 et 25, qui dit, « Seigneur a dit encore, levez, ramassez toutes affaires. » Ramasser toutes affaires nous yo parce que l'autre bord ravine à non moi pral lagué si yon moun pays amori qui wa la ville Hezbollah ensemble avec tout pays li a nan men nou attaquer commencer prend pays a pour nous depuis jodi a m'a fait toute nation qui sous la tête pè nou couchat comme ça depuis y attendé yon nan men non nous y a prend trembler y a gagné un seul cœur serré k'ap prend yo. Amen. Amen. Merci Seigneur pour parole. Et nous m'avons d'autant pris béni parole ça. Et fait que chaque petit document là, je nous parole, parole qui peut édifier et non va glorifier. Au nom de Jésus, je nous prie. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Grâce et paix, bon Dieu avec nous. Amen. Je dis à mes bien-aimés, nous, dans le premier vendredi, moi, et qui moi accueille, c'est moi. Conquête, le Seigneur, c'est thème ça que Libano pour nous faire voyage là, pour nous faire moi, mes bien-aimés. Et la fois dernière, nous étions ensemble et nous avons dit que Abraham, c'est premier conquérant dans la Bible. Et chaque fois que il a cité la Bible, il a présenté comme étant un modèle de foi et un modèle de persévérance. Donc, nous avons dit pour entrer dans l'accomplissement promesse là, bon Dieu t'a préparé Abraham. Et bon Dieu t'a préparé Abraham pour faire trois changements avant que Abraham t'ait entré dans l'accomplissement promesse là, avant qu'elle t'ait mis tes pieds dans la bataille, avant qu'elle t'ait mené conquête là. Et ces trois changements, ça y est, que nous t'ai dit, l'Éternel t'a préparé Abraham de pouvoir entrer dans conquête au besoin fait, au besoin préparation ça, au besoin changement ça y est, opérer dans vous-même, dans la vie ou pour capable, eh bien, rentrer pour capable mener conquête là. Et c'est ça nous pour regarder avant aujourd'hui, il y a trois changements ça que l'Éternel t'a préparé Abraham là pour Abraham t'est entré dans conquête là. Et chaque conquérant aujourd'hui am dedou ou même qui là ou c'est un conquérant. Commence la conquête. Commence la conquête. C'est mot d'ordre là ça et qui très puissant que le Seigneur vient ba ou aujourd'hui a et lui bay nous chaque qui là commence la conquête. Premier changement ou pour opérer pour capable mener conquête là, c'est territoire pour changer. Il faut changer territoire. Alors, Abraham, mes bien-aimés, cap vivre encore dans le pays Ous des Chaldéens, et ça y aurait les Mésopotamies. Eh bien, bon Dieu révélé à lui, et lui, bal appel ça. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison. La maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 1 à 3. Donc, bon Dieu mandait à Abraham, mes bien-aimés, pour aller dans l'autre territoire. Et patriarchaté, il quittait pays pour aller du côté que l'Éternel lui-même montrait. Et l'irrité à Caran et l'installer. Pour qui ça, mes bien-aimés, pour m'irriter à mi-parcours. Fatigue, santé, climat, Abraham, respectez volonté papa. Mais, immédiatement après l'amour papa, il continue route là. Il continue route là vers Canaan. On va constater que dans le passage, mes bien-aimés, changement
que y aurait les Abraham non, les son changement qui appelait son dot géographique, les quitter le pays pour aller dans un autre pour entrer dans plan bon Dieu. Là pour entrer dans plan bon Dieu, faut accepter mes bien-aimés changer territoire, faut accepter changer zone. Alléluia. Seigneur, relève pour changer territoire aujourd'hui. Seigneur, relève pour changer côté sorti dans zone de confort côté côté sans tout à l'aise là, l'or ou trop à l'aise, l'Éternel pas capable de servir avant là. Libre besoin nous traverser, alléluia, ou entrer dans un mois conquête, le Seigneur a marché avant vers conquête tout, chemin faisant, eh bien, ou parer pour être côté l'Éternel placé pour moi. Dans qui ville, qui côté, ou pralmandem, eh bien, l'Éternel veut retirer dans la ville du découragement. La paix, bon Dieu, avec vous. L'Éternel veut déplacer avant dans la ville de l'humiliation. L'Éternel veut retirer dans la zone frustration. L'Éternel veut retirer dans le territoire défaite là. Alléluia. L'Éternel veut retirer dans le territoire paresse là. Territoire pagayezel là. Territoire épuisement. Les commandos aujourd'hui pour reprendre marche, pour aller vers le pays de Canaan, le pays de paix, le pays de joie, le pays de communion, le pays de passion. L'Éternel dit vous changez territoire. Ou pas capable de mener conquête là, sont pas déplacés, sont pas sortis dans zone découragement, sont pas sortis dans zone plein, sont pas quittés territoire. Frustration, hein. Territoire de l'onanger, il faut sortir la donne pour mener conquête là. Et c'est comme ça, l'Éternel préparait Abraham, les mener mes bien-aimés, dans le deuxième changement que lui doit opérer dans la ville, et bien son changement de vision. On va jouer ça dans chapitre 13, côté où Paul est sorti depuis dans verset 14, hein, pour à continuer. L'Éternel dit à Abraham, il dit à Abraham, après que l'on se fût séparé de lui, lève les yeux, alléluia, et du lieu où tu et regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai, je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Alléluia. L'eau, mes bien-aimés, et Abraham, ils étaient riches. Ils étaient riches en troupeau, ils étaient en pile l'argent, ils étaient en pile l'eau. Raison côté ils étaient, pas suffit pour ils étaient capables d'habiter ensemble. Il y a une dispute entre bergers, l'eau et pas Abraham. Malheureusement, richesse sur mes bien-aimés, en pile foyer à l'origine de disputes. Là où famille, les gains bien, et bien toujours gain chirépite. Toujours gain chirépite qui finit dans la mort. C'est toujours comme ça, mes bien-aimés. Les mener querelle, les mener discussion, moun yo orgueilleux, yo rempli à convoitise. Attention, frère Maxime, yo. Orgueil, passion, calomnie, coup de couteau dans le dos, parler mal, en pile foyer à l'origine de discorde. Dans mitan même famille. Dans mitan même famille, on va regarder dans mitan peuple chargé zizani. Chargé menti, chargé orgueilleux, chargé calomniateur. On fait attention mes bien-aimés. Parce que le ou uni, famille était famille. Le nous à vivre en famille, famille était famille, une alliance de sang mes bien-aimés. Un lien indéfectible ce qui unit nous et c'est peut-être ça. Ou de dégager pour préserver l'unité familiale là et pour éviter toute discussion entre bergers, entre membres famille là. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, les voulaient préserver l'unité familiale et pour éviter une discussion entre bergers loyaux et lui-même, Abraham prend initiative pour régler le problème là. Parce que les grands mondes, les plus âgés, lui était capable de faire l'audition, mais il fait appel selon coutume là, il choisit territoire que lui voulait occuper en premier et puis lui laisser eh bien premier choix à l'eau. Lui laisser premier à monsieur. Lui accepter courir risque là pour le laisser lui-même pour le perdu rien pour protéger unité familiale là. On nous fait appel à la sagesse nous mes bien-aimés. Tant qu'ou Abraham qui apprend à l'eau une bonne leçon. Pas de bagage qui est plus important que la famille. L'argent pas plus important que la famille. Bien papier important que famille, mes bien-aimés. On nous fait tout ça possible pour nous préserver l'unité familiale.
Même si ça veut dire que des îles n'ont pas satisfait, même sont lésés, nous devons préserver l'unité familiale là. Parce que c'est quoi? Et ça fait les nègres prennent coup, j'ai couru de l'eau. Eh bien, là où fait partie d'un membre, d'une famille, la famille de Dieu, c'est toute quoi? C'est toute famille là. Ce n'est pas intérêt pas au pouvoir avant, mais c'est intérêt famille là. Abraham, mes bien-aimés, les tristes, les découragés, famille a disloqué. Et avec ça, tout espoir allait. Après des palos, bon Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. C'est parole ça, mes bien-aimés. L'Éternel invitait Abraham à garder plus loin. La paix, bon Dieu, avec eux. Lui invite à changer de vision, retirer Jéhovah sous l'eau, retirer Jéhovah sous ti, ça qui sous pointe néon là, mais garder plus loin. Alléluia. Élargis horizon, pas fermer corps dans petit coton royé. Sorti dans limite pour entrer dans vision mon Dieu. Sorti dans ti vision pour là, pas coûter personne qui bindou oh oui, ou gen folie grandeur. Pour entrer dans vision mon Dieu, oui, faut gen folie grandeur. Pour entrer dans la vision, mon Dieu, il faut être très loin. Il faut être loin, il faut changer de vision pour entrer dans la vision, mon Dieu. Comme vous êtes capable de constater, mes bien-aimés, vision, mon Dieu, c'est pas une vision qui rase lié. Vous n'avez pas besoin de moyens en main pour avoir une grande vision. La vision de Dieu est grande, la vision de Dieu est large, la vision de Dieu est profonde. Abraham n'est pas capable de mesurer, mes bien-aimés. Vision n'est pas dépendre de l'âge. Vision pas dépendre de ressources que gagne à disposition. Vision pas dépendre de capacité Abraham. Alléluia. Ah, mes bien-aimés. La vision, lui dépend de capacité, mes bien-aimés, bon Dieu. Puisque bien bon Dieu le vini, c'est bon Dieu qui a fait. Bon Dieu, baille vision, la baille provision, mes bien-aimés. Bon Dieu, invitez patriarche là à entrer et à saisir vision par là. La paix, bon Dieu, avec vous. C'est pour changer vision, mes bien-aimés. Parce que bon Dieu, une vision pour nous chaque qui l'a matin. Bon Dieu, go vision pour nous chaque qui là. Et pour entrer, pour mener conquête la bien, c'est pour entrer dans vision, bon Dieu. C'est pour entrer dans vision ça. Car c'est vision ça, mes bien-aimés, qui concerne santé. Vision ça concerne foyer. Vision ça concerne travail. Vision ça concerne pays qu'on doit vivre là. Vision ça concerne petit tout. Alléluia. En craser toute ces visions mesquines. Tout ces ça qui met au petit, tout ces ça qui limite. Encraser yo, en détruire yo la caille nous pour nous entrer dans grande vision que le Seigneur ban nous en mes bien-aimés. Et lors sorti, ou fin changer territoire, ou changer vision, et dernier changement que l'Éternel a fait pour vous, l'a opéré dans vie, c'est non que le peut changer. La paix bon Dieu avec vous. Au chapitre 17, nous allons découvrir le troisième changement important pour conquérant. Tout conquérant doit entrer dans changement ça. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Genèse, chapitre 17, les versets 1 à 5, puis 15. Abraham engage, mes bien-aimés, non, marche avec bon Dieu. Il est arrivé dans l'âge 100 ans. Depuis la naissance Abraham, papal, maman, terrelil Abraham. C'est d'ailleurs nom qui figurait sous acte de naissance, lui, et qui inscrit sous registre l'état civil pays natal, lui, aux des Chaldéens. Curieusement, mes bien-aimés, lorsque l'y engagé dans la conquête pays promis, dans la conquête que l'Éternel rentre là-dedans, eh bien, l'Éternel change nom, alléluia. L'Éternel change nom, madame ni. Désormais, y'a pas relé Abraham, y'a pas relé Saraï encore, mais y'a relé Abraham et Sarah. Dans la Bible, mes bien-aimés, lorsqu'on changement de nom, toujours accompagné avec une attribution de une fonction particulière. Bon Dieu, bail ou non. Tout neuf à Abraham, eh bien, non, ça correspond à promesse que Abraham portait à mes bien-aimés. Avant conquête là, il était gagné un nom. Avant conquête là, il était gagné un nom. Et non, ça a changé pour le mener conquête là. Avant conquête, toi, où tu es relé, moi, pas capable.
Ou te rele, mwen piti. Je dis à yorele aux femmes de Dieu. Je dis à yorele aux hommes de Dieu. Je dis à yorele aux femmes de prière. Je dis à yorele aux hommes de prière. Je dis à yorele aux capables. Il y a yorele ou pas capable. Il y a yorele ou pas rien. Il y a yorele ou pas capable. Mais je dis à yorele ou capable. Je dis à yorele aux femmes d'onction. Je dis à yorele aux hommes d'onction. Alléluia. Hier où t'es chômeur, je dis à yorele aux travailleurs. Je dis à yorele aux chefs d'entreprise. Alléluia. Alléluia. Hier où t'es endetté, je dis à c'est généreux. Hier où pas de gagner, je dis à ou gagner pour séparer. Wow. Le Seigneur, je dis à, lis sur le point, mes bien-aimés, pour faire un bagage tout neuf avec vous. Pour faire un bagage tout neuf dans la vie, et j'en ai fait dans la vie Abraham, et c'est peut-être ça l'ibaye Abraham ou non nouveau. L'Éternel change nos Abraham, l'a changé nos Jodia, l'a faut changer territoire, l'a faut changer vision, et l'a changé nos pour capable d'entrer dans la conquête, là, mes bien-aimés. Jodia, nous c'est une génération de conquérants. Nous, chaque qui là, sont conquérants selon le mot d'ordre que le Seigneur m'a nous. Pour moi, ça commence la conquête. Préparez-vous pour le changement que l'Éternel a porté. J'en fais pour père dans la foi, non. Abraham, il changeait territoire, il changeait vision et il changeait nom. Et l'Éternel a fait pour tout, même genre. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fasse grâce, ou capable d'entrer dans la conquête avec préparation, ça, ou changer territoire, ou changer vision et ou changer nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen.